Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, n'a commencé. Cool, yeah. Équipe la présidence avec président et puis moi-même nous avons réuni comment pour nous et faire ensemble des travaux au niveau de Saint-Marc. Donc c'est ça qui porte là. D'ailleurs, l'été grand tabam certains ponts, mais hier nous concrétons un coup relaté là. Pont Abricot, pont Pivert, pont Janton et oui, avenue Moripa et oui, et on dit oui, madame Sainta, y compris Carrefour. Et Blocos, bon, Blocos sans problème environnemental grave, je vais aller à collègue, comment pour nous gérer. Et dès demain, on a commencé à agir. Dès demain, on a commencé à transporter pont, yo là. Et quant à route, yo, et madame Sainta, d'ici lundi, je parlais avec elle, pendant que là, on a 1 million de gouttes, je dis pour virer rapidement pour lui. Et il y a appelé la Kounia là, et pour nous commencer à acheter matériaux, tant que. Wash, ciment, sable et autres pour attaquer. Et puis, tant qu'on dit, le blocos, c'est un problème environnemental, faire enlèvement, nettoyage. Moi, je crois que l'ingénieur a commencé à faire ça. Et puis, en attendant que le ministère de l'Environnement a résolu le problème en amont. Et pour nous, ça, pour nous faire pour Saint-Marc, pour me dire, Marc Antoine, nous-mêmes, précisément, on a parlé des pompiers vers là. Et qui était dû faire bien avant, mais on sait des barrières aujourd'hui, pas permettre d'agir, j'en ai envie. Mais nous avons pour là, nous avons certains monde qui instruit la donne, tant que le directeur de transport là avec nous, Rodolphe, qui parle pas là avec nous. Gagné et coordonnateur directeur départemental, qui est lui-même qui chef tout directeur direct, toute direction départementale, c'est Léopold qui est là, Léopold Lamont. Et il y a un directeur départemental là qui est avec nous, il y a un magistrat qui est avec nous, tout le monde prend le bas et moi, ce qui est certain, le président veut commencer demain et les dit côté ma vie de moyen. Dès demain, pour débarquer là et vivre ma fête pour nous voir comment pour nous
prend ses marques autrement. Dès après-midi, hein, mal identifié côté que nous gagnons près d'une dizaine ou d'une quinzaine de ponts préfabriqués qui déjà dans la direction départementale l'Ouest. Pour moi, qui est dans qui gagne longueur, pont que nous avons jeté sous Pivert, Abricot et Janton. Mais moi dis le tout, ces ponts ont seul travé que vous voyez. C'est près de 20 mètres, on se le travé. Ça n'est pas le travé, il y a deux appuis seulement. Nous prenons le garder pour nous faire une étude pour culer. Nous ne pouvons pas quitter, nous mettre le constat parce que l'État n'a pas de moyens pour la dépenser l'argent pour dire au monde va faire comme ça. Nous prenons une étude aussi vite, relever le topographie qui est en fait dans Abricot, ni dans Pivert. Et à partir de relever le topographique là, équipe étude que nous gagnons dans la direction pour faire étude sous culer, qui dimension pour culer, qui ferraillage, et à ce moment, tu as installé point pour nous. Et selon l'instruction ministère, aussi vite, dès que nous arrivons après-midi, nous avons demandé des topographes qui étaient relevés pour la direction là, et à ce moment, la direction pour statuer sur ça. C'est deux ponts mixtes pour allier, structure, c'est-à-dire culé en béton, et puis reste point pour en métal. Donc c'est peut-être ça nous parler de ponts. Mix, mon cas ça. Bon, effectivement, nous sommes visités avec le ministère, avec les staff et le ministère, et rue Sao, rue Madame Saint-Ar, et rue Morépa, ainsi que Blocos. Dans le niveau ça, effectivement, et rue Madame Saint-Ar, c'est, comme nous connaissons, c'était Estria qui a fait route nationale là. C'est dans le cadre de route nationale là que rue Madame Saint-Ar là, t'as utilisé comme exutoire. Ok, pour recueillir de l'eau, vous voyez dans la mer. Bon, malheureusement, et c'est pas fini travail ça pas fini. Et que ça a quelques temps, finalement démobilisé. Et nous-mêmes, vu nécessité et qui vient dans la zone, non, parce que nous rendons compte que sédiment est comblé et route la net, et là l'appui inondation, tout cas inondé, et que nous prenons ça en charge, et nous allons commencer, et dès la semaine qui vient, dès lundi pour nous capables de faire et recommencer le canal là. Okay. Pour la rue Morépa, la rue Morépa effectivement c'est une rue qui est assez importante et parce que c'est l'ancienne route nationale et qui débouchait devant la douane. Non? Et il y a un travail qui était commencé à faire là-dedans déjà. Bon, malheureusement, et nous nous rendons compte qu'il y a plus de 300 mètres qui déjà asphalté là-dedans. Bon. Et 300 qui peut encore et achevé, c'est 300 qui débouchait sur route nationale. Qui a fait intersection avec le national là. Et nous rendons compte que des matériaux qui étaient à mettre sous lit, couche de base, tout ça, mais c'est problème asphalte là que asphalte que le pouvoir gagner avec quelques travaux de drainage pour nous compléter. Et très vite, le ministère a passé instruction pour que nous reprenions parce que les travaux de terrassement, c'est direction de c'est 16 mètres qui t'a fait, que ce soit à niveau et mise en place de couche de fondation et couche de base. Par contre, et bitume là c'est une entreprise privée qui t'a fait. OK, qu'on est là on a doté nous de moyens et pour que nous capable faire mise en place et BBR et que pour nous capable achever route ça le plus vite que possible. Normalement m'ba quoi mon c'est mag doté des volontés direction parce que nous t'ai commencé déjà et si n'a regardé nous sommes passé la série prolongée là, c'est dans même cadre projet ça que nous t'ai asphalté la série prolongée et nous t'ai venu mon repas. Et moi, pas avec événement qui était gagné, et tout matériel était en difficulté, moi, tout le monde sait ma connaît, qui péripétie nous fait pour nous retirer matériel ça parce qu'il était menacé pour lui. Et c'est depuis événement ça, ou après CEMAC, au moins nous avons gardé comment la situation est pour nous retourner. Mais comme je dis à la ministre Vini, et coup d'envoi, les lancer déjà, et dans le jour cabinet, on a gagné. Je ne défais déjà pour nous rebalancer le travail de Semakio. Présence ministre Nader par une surprise pour nous. Parce que nous avons écrit toutes les instances concernées, y compris le ministère TPTC, pour question problème Semak a duré. Parce que nous avons voyé les yeux dans la commune, nous avons gardé le café Madame Saint-Or, nous avons pris la Bossière et des tronçons qui ont commencé, inachevé son problème était au niveau de la mairie. Et ensuite, nous avons pour parler avec des firmes étrangères pour question pont Abricot et pont Pivert. Maintenant, nous avons travaux publics venus en personne.
nous venons faire visite souterrain. Nous souhaitons que visite ça apporte fuir pour ces marques parce que ces marques besoin ni monde ces marques souffrir trop surtout monde quatrième au niveau de pont abricot nous t'arrêmer pour sa fête parce que c'est monde quatrième qui baille ville là en pile manger yo son passage obligé et pour y pour yo si yo ta recevoir l'étape bon pour yo nous souhaitons que tout projet ça yo qui est en cours et visite ça yo qui sont faites que yo réaliser voilà et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations en tout cas tout le monde merci parce que nous t'es branché pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui d'accord et bien passons une agréable journée tout le monde une agréable soirée si c'est matin bon matinée.